Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous affronter sur deux fermes différentes. L'un repartira avec une ferme à 1€ et l'autre partira avec une ferme à 1 000 000 €. Je peux t'assurer que je suis le meilleur éleveur de cochons que la terre ait connu. Moi je te dis, je suis le meilleur éleveur de blé que la terre n'ait connu. Moi je te le dis. Allez hop, allez retour maison. Allez va tout simplement apprendre à faire une ferme. Moi personnellement je commence ma ferme. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un tricheur, voilà tout ce que j'ai à dire. T'es un tricheur requin. T'as déjà une avance de 500 points. Vous avez vu, il est obligé de tricher pour gagner. Je sais pas, qui c'est, qui c'est? Y'a un mec dans mon champ. Qu'est-ce qu'il fait là? Il veut un câlin? Attends, j'ai un mec qui veut des câlins dans mon champ. Ouais vas-y viens, on fait un câlin. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'approche pas, n'approche pas, n'approche pas. Désolé, 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 désolé. T'as pas besoin de tirer comme ça. Voilà, mais... voilà, mais personne n'approche mon champ tout simplement. Bon c'est parti, moi personnellement je suis en train de remplir mes ressources de maïs. C'est du maïs, hein, ça clairement. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien le maïs. Moi personnellement j'aime bien le maïs, c'est pas mauvais. Là on peut acheter des tomates, des plants de tomates. Attends mais c'est incroyable, des petits plants de tomates. Attends, on a débloqué une serre avec les tomates. Ok, pas mal. Je prends ceci. Et là, regardez, il y a des petites tomates qui se mettent un petit peu partout. Bon, en vrai, pour le moment, je suis un bébé fermier. Parce que juste avoir des tomates et, comment on appelle ça encore, du maïs. Bon, c'est pas vraiment ouf pour un fermier, hein. Mais bon, au moins, c'est ça. Ici, on a acheté tous nos plants de tomates. On a terminé notre serre. Et du coup, quelle est la suite? Alors ici, je vais devoir payer 5 000 pour avoir une maison de farm. Mais je peux acheter des petits poulets. Donc, on va acheter des petits poulets. Attends, ça ressemble à quoi les poulets? Oh, regardez. Oh, c'est des vraies poules. Oh regardez c'est trop stylé. Oh la vérité je kiffe hein. La vérité la map est super bien faite. Ok plus 550. Attends qu'est-ce qu'il veut, il veut encore un câlin là? Allez je te fais un dernier câlin et puis tu t'en vas mon pote hein. Voilà allez hop on se fait un câlin. Voilà maintenant tu t'en vas. Allez j'achète encore une usine à poulet. Et pendant que l'argent remonte on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa base là-bas. On attaque sa ferme. Comment ça t'attaques ma ferme? Tu crois que je t'entends pas? Mais non! Tu attaqué ma ferme, t'es un ouf ou quoi toi? Mais gros, ta ferme c'est une ferme de pacotille gros. Moi j'ai déjà des équipes de poulets qui sont tout simplement en train de me rapporter de la thune, sache-le. Des équipes de poulets? Oh bah attends mais il y a un abonné, il veut un câlin. C'est pas des poulets hein, c'est des poulets. Pas des poulets, des poulets avec un ET à la fin ou quoi? Allez vas-y, moi tu sais quoi, je m'achète. Mais moi aussi j'ai des poulets, moi aussi j'ai des poulets. Moi je m'achète des petites carottes, parce que les petites carottes c'est super bon pour la santé. Et d'ailleurs ça me permettra peut-être d'acheter tes petits lapins par la suite. En tout cas ce serait le top du top si je pouvais m'acheter des petits lapins. Alors attendez parce que vous savez bien ce qu'on va profiter pour faire, regardez. Et moi 36, on est en train de lui mettre la pression dans sa petite base, on est en train de lui faire très peur, on les laisse pas farmer tranquillement. Oh là là, j'adore ce qui se... Allez, hop là! Allez, c'est bon, ça s'en va, on en entend plus parler, terminus, tout le monde descend du bus. Je ne veux plus entendre parler de ce petit monsieur. En tout cas, là, on a acheté tous les plants de carottes et je sais pas du coup, c'est la suite. Alors là, on peut acheter des haricots. Alors, haricots, on va acheter ça tout de suite. Il nous faut juste un peu plus d'argent pour pouvoir acheter les haricots. Bonjour les haricots. Et ça sert à quoi? Ok, donc c'est une serre directement à haricots. Donc là, pour le moment, on a surtout une ferme... C'est qui ça? Ok, c'est l'abonné. On a surtout une ferme à légumes. Mais c'est pas mal parce que ça commence très très bien. Une petite ferme à légumes, pourquoi pas. Par contre, là, l'argent est compliqué à se faire. Hein. Ça commence à devenir très très long pour pouvoir se faire de la thune. Ok, il veut qu'on fasse des bottes. Désolé, je peux pas faire des bottes. Est-ce que si je le tue, je gagne de la thune? Oui, je gagne de la thune. Attends, je peux carrément tricher comme ça en tuant l'abonné. C'est incroyable ce qui se passe. Attends, il est là-bas. 18, c'est parfait. Allez, moi je continue pendant ce temps-là à réaliser ma base. Par contre, j'ai vu qu'on allait bientôt pouvoir acheter notre maison. Donc, on va acheter notre maison directement. Elle est où? Oh! Ok, les gars, regardez. On s'est acheté une petite maison. On a une petite maison de fermier. Ok, bon, elle est pas incroyable pour le moment. Mais on a de quoi dormir, on a de quoi regarder la télé. Et on a de quoi faire un petit feu de cheminée. Donc, en vrai de vrai, c'est pas mal. Bon, pendant ce temps-là, on va continuer d'acheter nos haricots, hein, parce que quand même, le but, au final, c'est de faire un maximum d'argent. J'ai vu qu'il y avait du well, là, alors je sais pas du tout à quoi correspond le well, mais on va le découvrir par la suite, bien entendu. En tout cas, je continue mes plantations de haricots. J'aurais peut-être pas dû acheter ma maison directement, parce qu'en vrai, la maison, ça ne rapporte rien de folichon, folichonnage. Par contre, là-bas, j'ai l'impression qu'il est en retard. Hein. Je pense qu'il a que ses poulets. Ah non, il est en train d'acheter des haricots aussi, hein. Oh les balles que je lui mets, les balles que je lui mets de loin, c'est carrément incroyable. Alors je vais juste aller voir qu'est-ce que c'est du well. Qu'est-ce que c'est le well? Ok donc c'est un petit puits. Ok c'est un puits qui va me permettre de donner du coup à boire à l'entièreté de mes plantes. Donc ça c'est plutôt utile parce que l'air de rien bah, nourrir ses plantes ça reste quand même ce qu'il faut qu'on réalise ici. Et là je peux acheter du coton.
Donc on va acheter du coton, 3350. Je pense que c'est peut-être des moutons qu'on va pouvoir acheter. Je ne suis pas sûr de la chose, hein. Mais si on pouvait s'acheter des moutons, ce serait carrément génial. Pourquoi pas, le moulin, ça va nous permettre tout simplement d'avoir de l'électricité au sein de notre ferme. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, on va continuer d'améliorer nos ressources du chèvre. Oh, je peux donner? Attends, est-ce qu'elle me suit? Oh, regardez! Oh, on peut les faire se reproduire peut-être! Oh, elles sont contentes! Oh, les petites chèvres! Ok, non, c'est un abonné, c'est bon. Ok, allez, on continue d'acheter nos petites chèvres! Magnifique! Alors, encore 3350, on continue d'acheter de la chèvre. Allez, les petites chèvres, normalement, on a presque tout acheté. Si on achète ceci ici, oh, et ça commence à nous faire pas mal de chèvres, hein. L'air de rien, on commence à être bien. Bon, allez, hop, toi, tu t'en vas, tu es dans mon passage, et je n'aime pas qu'on est dans mon passage, hein. Les gars, on a acheté, ça y est, toutes nos chèvres, on va commencer à acheter de la patate. Les patates, du coup, qui nous rapportent quand même 250 par seconde, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je savais pas du tout que des patates, ça ressemblait à ça. Vous le saviez, vous, personnellement, que c'était des petites fleurs blanches pour les patates. Par contre, je pense que j'ai assez pour acheter ma dos, et regardez la tour d'eau. Bim bam boum! Regardez la tour d'eau, ça fait plaisir! Là, on va pouvoir avoir des ressources d'eau monstrueuses. Et oh, je vais pouvoir acheter un tracteur? Tu sais ce que ça achète le tracteur maintenant ou pas? Eh, vas-y, tu sais quoi, je m'achète le tracteur. Au moins, j'ai un tracteur. Au moins, j'ai de quoi me déplacer. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Dommage, on peut pas l'utiliser. En vrai, j'aurais bien voulu pouvoir l'utiliser et pouvoir, bah, du coup, me balader avec mon tracteur. Mais bon, apparemment, ce n'est pas très possible. Arrivez, je sors là devant! Non! Oui, c'est bon, notre attaque est réussie! Non, oh, mais gros, j'étais chez toi! Ah bon, j'étais chez toi. Mais oui, je sais, je crois qu'on est passé en même temps. Moi, je suis passé par la forêt, t'as vu qu'il y a juste à droite. Ouais. Mais non, je suis passé par là et je me suis fait tout petit, mec. Et en fait, je crois qu'on a eu la même idée en même temps. Non. Non, j'ai pas réussi à te tuer en plus. Non, vas-y, j'ai la haine. J'ai acheté un swing. Oh. Oh, j'ai acheté une petite balançoire, ça fait plaisir par contre. Bon, c'est pas grave les gars, on va s'acheter du coup des potatoes supplémentaires. C'est pas grave, hein. En vrai on a toujours une avance. On a vu qu'il avait pas encore les patates, donc en vrai n'ayons pas peur, on s'achète un maximum de patates. Comme ça, ça va nous faire un maximum de thunes par la suite. Les gars, ne vous inquiétez pas, nous allons gagner cette map. Gars, j'ai pu m'acheter une dirt bike. Les gars. Allez, qu'est-ce qu'il y a là, 08? Moi je roule sur tes champs. Je roule sur tes champs, 08. J'écrase tes champs. Qu'est-ce que tu veux? Allez, on vient foutre le bordel dans ces petits champs et on retourne à la maison. Nous, clairement, on ne veut pas qu'il nous batte à ce jeu. Nous sommes bien plus forts que lui. Par contre, on peut acheter une nouvelle maison ici pour 10 000. On va voir qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle maison. Waouh! Ok, là ça en jette plus. Là, je suis un vrai fermier là du coup. Ok, donc on a déjà au moins une petite salle de télé, une petite salle à manger. Et puis quand je monte ici, on peut apercevoir une petite chambre. Donc en vrai là, on est déjà vachement mieux loti, hein. On va pas se mentir, là ça fait plutôt plaisir. Alors est-ce qu'on a débloqué d'autres choses ici? On a des pumpkins. Les pumpkins, qu'est-ce que c'est? Les pumpkins, c'est tout simplement des citrouilles. Donc on va améliorer nos farms de citrouilles. Comme ça on va gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Donc c'est parti, les petites farms de citrouilles, c'est parti. C'est le prochain objectif. Et voilà les amis, toutes les citrouilles ont été récoltées. J'ai vu que là on pouvait acheter des cochons, mais d'abord je vais aller m'acheter un petit silo parce que ça reste franchement atteignable niveau prix. Donc on va acheter le petit silo, ça va être très utile par la suite pour stocker tous nos grains. Donc voilà le petit silo. Par contre il est vraiment petit ce silo, hein. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir y stocker grand chose. Bon, on va attendre de quoi avoir de l'argent pour les cochons et après on continuera la suite. Les gars, c'est parti, nos premiers cochons. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler les cochons. Attention, waouh! Oh, le gros cochon! Oh, il est énorme! Il est énorme ce cochon! Oh là là, oh là 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 là! Le bruit du cochon, incroyable! Oh. Là-bas, je pouvais acheter un gas tank. Donc en fait, ça nous permet du coup d'avoir de l'essence à longueur de temps. Donc comme ça, pour nos véhicules, on pourra les réapprévisionner en essence. Donc c'est parfait. On va aller chercher 08 maintenant dans sa base. Et on est en train d'attaquer 08 dans sa base! Et hop là! Il n'arrive pas à nous toucher! On se barre avec la moto! Eh, c'est bon, il arrive pas à nous toucher, c'est bon, on retourne à la maison. C'est parfait, ouais les gars, franchement on a eu beaucoup de chance, hein. Par contre j'ai vu qu'il avait déjà acheté ses cochons. C'est parce qu'en fait, le mec, il n'achète que les trucs qui donnent de l'argent. En soi c'est super intelligent venant de sa part. Mais c'est pas grave, nous on va acheter beaucoup plus de cochons que lui. Comme ça on sera beaucoup mieux positionné. Et là on est en train de gagner 570 à la seconde. Ça commence à être intéressant, mais la vérité, il avance très bien aussi, hein. Il a déjà ses cochons, donc clair de rien, il faut qu'on s'en méfie très clairement. Allez! C'est bon, le mec qui vient m'attaquer dans ma base, il pense qu'il va repartir avec mes ressources, mais il est complètement fou, quoi. Allez, les derniers cochons, normalement, c'est le dernier cochon, je pense, que là, j'ai acheté. Ok, on a tous les cochons, du coup, c'est pas mal, parce que du coup, on a une grosse farm à cochons. Et par contre, je pense que je peux acheter ici ma dog house, du coup. Ouais, voilà, parfait, on va pouvoir acheter, du coup, la dog house, la maison du chien. Donc, le petit chien, il sera là. Merde, j'ai acheté deux trucs. Bon, je sais pas ce que j'ai acheté, et j'ai acheté, du coup, le chien
et la niche du chat. Bon, ok, c'est parfait. Comme ça, on a un chat qui va protéger nos champs. Et là, je vais pouvoir acheter de la betterave. Donc, c'est parti. Hein. Betterave, on en a clairement besoin parce que ça nous permet de gagner beaucoup plus d'argent. La betterave, très important pour améliorer notre petite base. La betterave, bonsoir. Et c'est parti. Là, on fait notre champ betterave pour pouvoir continuer d'améliorer notre ferme. Allez, les betteraves, normalement, j'ai acheté le dernier champ. Je pense qu'on l'a clairement acheté là pour le coup. On va pouvoir passer à la suite de la ferme. C'est parfait. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter par la suite. Mais en tout cas, les betteraves, c'est fait. À mon avis, on va peut-être débloquer un nouvel animal. Bah ici, il n'y a pas grand-chose, hein, j'ai l'impression. Je pense qu'on va... Ah si, on peut acheter des arbres à pommes. Ok, et on peut améliorer le silo. Donc je pense que déjà, dans un premier temps, je vais améliorer mon silo pour pouvoir entreposer beaucoup plus de choses. Wow! Ok, le silo, là, il commence à en jeter. Là, je comprends qu'on peut mettre des choses dedans, enfin. Donc là, c'est parfait. Et je pense que le seul truc que je peux acheter pour le moment, c'est les arbres à pommes. Donc on va attendre que les arbres à pommes se débloquent pour les débloquer. Allez, les gars, les petits arbres à pommes, enfin! C'est fait, c'était plus à faire, petits arbres à pommes. Ok, est-ce que ça nous permet d'avoir un peu plus d'argent à la seconde? Je pense que ça nous a permis d'avoir un peu plus d'argent à la seconde. Bon, mais du coup, on va acheter un maximum d'arbres à pommes. Les gars, ça y est, on a enfin récolter tous les arbres à pommes. J'ai vu que là-bas je pouvais acheter un nouveau tracteur pour seulement 50 000 $. Bon, l'air de rien dans une ferme, c'est important d'avoir des gros tracteurs. Donc je pense que je vais acheter directement le tracteur. Et puis là-bas je pourrais acheter des moutons à ce que j'ai vu, donc on va aller acheter les moutons par la suite, mais je pense que le petit tracteur, il va se révéler être nécessaire pour la suite de l'aventure. Et hop, le nouveau tracteur, c'est parfait. Est-ce qu'il sera mieux que celui-là? Ah ouais, d'accord, ok, ouais, clairement là on a quelque chose de bien plus agréable que l'ancien. Donc honnêtement, ce petit tracteur-là, je le prends. Bon, maintenant on va se jeter sur les moutons. On va voir si on peut débloquer autre chose que les moutons. Alors il y a toujours la voiture de course qui est juste là-bas, mais ça du coup on va attendre, hein, parce que c'est quand même 200 000 $. Et je pense qu'on n'a pas spécialement besoin d'une voiture de course pour le moment. Donc on va attendre les moutons et du coup, ben, on va débloquer les moutons. Et hop là, les premiers moutons, à quoi ils vont ressembler? Oh, what the fuck, ils ont un beau truc les moutons, hein. En vrai ils sont bien, en vrai les moutons ils sont en luxe, j'ai l'impression. Bon, parfait, petit mouton, ça ça me fait plaisir, ça nous permet de gagner encore plus de thunes. Bah, est-ce que je peux passer s'il vous plaît le mouton? Ok, on peut passer par le haut de leur bazar. Bon, on va retourner voir en direction 08, on va lui casser le museau. Ok, allez, c'est bon, 08, ça s'en va. Allez, hop, notre premier brocoli. Alors à quoi ça sent les brocolis? Ah, mais c'est super laid d'avoir des brocolis chez soi. Mais c'est vraiment immonde. Bon, honnêtement, les brocolis, je suis pas super satisfait. En tout cas, les avoir achetés, mais bon, ça fait de l'argent supplémentaire. Donc, on va s'en satisfaire personnellement. Bien, je suis parti dans sa moche, je vais lui voler sa moto. Allez, je vais casser avec sa moto, les gars. On se bat. Oh merde, merde. Allez, les gars, on prend la moto et on s'en va. Je prends sa petite moto et direction la maison. Et hop là, le dernier champ de brocolis. C'est fait, ce n'est plus à faire. Alors, on va voir directement qu'est-ce qu'on peut acheter ici. Par la suite, en tout cas, le show de brocoli, c'est fait. Je pense qu'il n'y a que la voiture de sport, hein, pour le moment, qu'on puisse acheter. Bon, mais du coup, on va devoir économiser 200 000 pour acheter la voiture de sport et pouvoir se permettre de rouler. Ah non, je peux acheter des arbres à citron. Bon, ben, les gars, on va s'acheter des petits citronniers. Hein. Allez, deuxième fois. Allez, on se casse. C'est la merde. C'est en train de me faire cliquer un câble, gros. Arrête tout de suite. Mais c'est vraiment chiant, hein. Mes petits brocolis, et toi, tu viens me tuer comme ça. C'est vraiment chiant, ultra chiant. Ah ouais, de nous acheter des citronniers. Allez, on retourne chercher les citrons. Ça, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Nous sommes au quatrième citronnier débloqué. Allez les gars, c'est parti, on va acheter notre voiture de sport et on va les montrer à l'autre à quel point nous sommes riches. Par contre, ah oui, j'ai cru que j'allais pas avoir la voiture de sport. Allez, c'est parti, on va aller lui montrer à quel point on a de la thune, nous, de notre côté. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Alors, viens ici, mon petit chenapan. Où es-tu? Il est où? Il est où? Il se cache, il se cache. La vie de ma mère, il se cache. Il est où sur l'Uberlu? Bon, je sais pas du tout où il est passé, mais en tout cas, il a dû avoir peur de notre nouvelle voiture. Je sais pas, vu qu'il est en retard, nous on va attendre. Ici j'ai vu qu'on pouvait désormais acheter les vachettes après avoir débloqué la voiture de sport. Et par contre là je me mets bien, hein. Petite voiture de sport dans la ferme, honnêtement. Je suis un fermier de qualité. Hop là, on achète notre endroit à vache. Oh, il est énorme l'endroit à vache. Ok, donc on a notre petite vachette. Je vais aller voir une fois à quoi ressemblent les petites vachettes. Est-ce que je peux savoir à quoi ressemblent les vachettes? Oui, bon, pour le moment on a juste les tables, on n'a pas encore. Ah si, si, là. Regardez, mais c'est de taureaux ça. Hey, allez, c'est bon. Il prend ses coups, il prend ses balles, on n'en entend plus parler. C'est parfait. Hop, moi je retourne dans ma vache, je vais m'acheter d'abord la première vachette. Hop, petite vachette, attends. Faut que j'arrive à me cacher derrière les vaches. Ok, vite, faut que je fasse attention. Deuxième vache achetée. Ok, hop. C'est... Bah alors toi, j'ai ma voiture qui était carrément dans sa base. Allez, c'est bon, je reprends ce qui m'appartient. Hop, je me bats. Allez, tire-moi dessus si tu le veux. Moi, je reprends ma voiture et c'est retour à la maison. Bon, du coup, je vais m'acheter des petites fraises parce que j'ai vu... Oui, bah oui, explose-moi ma voiture tant que tu y es, en fait.
Ok, c'est bon, on a acheté la petite serre à fraises. Là, on va pouvoir s'acheter des petits fraisiers et du coup, expandre très fortement notre production d'argent. L'air de rien, ça fait pas mal d'argent, les fraises. Bon, l'air de rien, ça coûte aussi une fortune monumentale, mais l'air de rien, ça rapporte pas mal aussi. Ah, maintenant qu'on a acheté toutes les fraises, on va pouvoir acheter des peppers. Peppers, pour ceux qui savent pas ce que c'est des piments. Alors, on va voir à quoi ressemblent les arbres à piments. Allez, un truc sympa. C'est quoi? C'est ça? C'est des petits piments jaunes, ok, des piments ou des poivrons peut-être. Je sais pas trop c'est quoi des deux, mais en tout cas c'est l'un des deux, c'est sûr et certain. Bon, mais pourquoi pas, on va récolter un maximum de piments. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les pimentos. Et voilà pour la dernière récolte de piments. Les piments sont entièrement récoltés. Et j'ai cru apercevoir que là-bas, je pense que c'est la dernière chose que l'on va pouvoir débloquer, c'est les chevaux. Donc là, on va débloquer tous les chevaux. Et je pense qu'on aura carrément fini la ferme. Donc c'est plus qu'une question de temps avant que l'on remporte ce défi. Je pense qu'on a toujours une avance. Je pense pas qu'il a déjà les chevaux de l'autre côté. Donc on va essayer de garder cette avance considérable. Et bah, du coup, d'avancer bien plus vite que lui, il ne le fait. Bien, hop, les chevaux. Qu'est-ce que ça va donner? What the fuck? Ok, est-ce que je peux prendre les chevaux? On peut se balader sur les chevaux? Non, en vrai, j'en ai pas encore. Ah si, j'en ai entendu un. Ok, là, ça nous fait tous les chemins de chevaux. Ok, mais c'est incroyable, ça va même faire un clôturage, etc. Et à 1 million, on a un hélicoptère. Donc, bah, let's go, hein. On va carrément récolter tous les chevaux pour terminer le jeu le plus rapidement possible. Les gars, on est en train de clairement recoller au score. Après, il n'y aura plus que l'hélicoptère. En gros, il nous manque tous les chevaux et l'hélicoptère. Et puis, on aura terminé entièrement le jeu. Ah, les derniers chevaux, c'est réalisé. On a eu tous les chevaux. Ah non, non, il y en a encore un. Ok, ça c'est des chevaux qui vont courir en rond du coup. Ok, pas mal, là par contre j'ai vu qu'on avait débloqué une white turbine, pour ceux qui savent pas, c'est une turbine avant. Donc on va bientôt pouvoir débloquer ça. Et clairement ça doit être impressionnant étant donné que ça coûte quand même 50 000 bois. Par contre vraiment les animations sont trop stylées. Les chevaux comme ça qui courent en rond, je trouve ça incredible. Ça y est, on a 500 000, on va pouvoir acheter notre turbine avant. What the fuck, on est carrément une éolienne dans notre base. Je sais pas si ça nous a rapporté de l'argent supplémentaire, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que j'ai une fucking éolienne dans ma base. Bon, il y en a encore une deuxième à acheter pour 500 000. Bon, bah c'est parti, hein. On va acheter toutes nos petites éoliennes histoire de pouvoir rentabiliser en énergie notre base. Et c'est parti les amis, on va bientôt débloquer notre deuxième turbine avant. On a une deuxième éolienne. Est-ce qu'on a débloqué toutes les éoliennes? J'en ai bien l'impression. Est-ce que ce serait pas justement le dernier million afin d'acheter notre hélicoptère? J'en ai bien l'impression, mais du coup on va attendre d'avoir ce fameux million. Bon, il va bientôt finir, hein, donc on va pas se dépêcher. Zawit, ne te prends pas la tête. Tu as perdu ce challenge. J'ai un hélico à 1 000 000 $. C'est parti, regarde-moi, je suis là. Oh là là, putain, mais il est trop bien. Est-ce que je peux monter dans... Allez, vas-y, monte. Ouais, let's go. Allez, mais non, tu vas te taire, t'as compris? Tu vas te taire, je t'attrape par ton cou, d'accord? Je t'attrape par ton cou, d'accord? T'as compris? T'as compris? Oui. 3, 2, 1. Aïe, ça fait mal. Et voilà les gars, nous avons remporté ce challenge. Nous avons une ferme à 1 million d'euros. Et lui, bah il est mort, donc clairement il n'est plus qu'à 1 euro. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire, bien sûr, monsieur sur les réseaux sociaux. Personnellement, je vous kiffe, je vous lâche, pas de bisous, et à la prochaine. Tchuss.